Danseuse ou chanteuse, quand elle était petite, notre prochaine star de demain hésitait entre ces deux carrières. Mais à 5 ans, elle tenait déjà un micro et donnait des concerts avec sa mère et sa sœur sur la place du marché dans sa ville natale d'Ukraine. Et puis un jour, Olena Tokar a définitivement choisi le chant. Tant mieux pour nous. Et le succès lui a donné raison. L'année dernière, elle a remporté à la fois le concours Lord Sing de Leipzig et le prestigieux concours de l'ARD à Munich. Chanter pour un public, c'est merveilleux. Ça donne de l'énergie et puis c'est amusant. Je vais chanter ce soir l'air des bijoux du Faust de Gounod. Dans cet air, Marguerite, que j'interprète, est très heureuse parce qu'elle a découvert des bijoux. C'est une jeune fille pauvre. Et là, elle est sous le coup de la surprise. Et en même temps, elle est heureuse parce qu'elle est amoureuse. Je trouve cet air très difficile. Mais en tant que chanteuse, on apprend beaucoup grâce à lui. Il est agréable à chanter parce que Marguerite est très joyeuse. Et la musique est belle.
Bravo. Merveilleux. Merveilleux. Tiens, je te donne un micro. Olena, quelle chance que tu aies choisi d'être chanteuse. Merci beaucoup. Andreas, comment as-tu trouvé la prestation d'Olena? Grandiose. Je ne peux lui donner aucun conseil, tant sa carrière est déjà toute tracée et se fera toute seule. Il faudrait plutôt freiner Olena pour qu'elle ne cède pas à toutes les sollicitations qui vont affluer très rapidement et de tous les coins du monde. Il ne faudrait pas que tu surestimes tes forces. Tu es extrêmement jeune, alors prends le temps de travailler les nouveaux rôles. Je trouve ça très important. Sinon, tu vas te faire dévorer. Tu danses toujours? Oui, un peu. Et tu danses plutôt classique ou... J'ai commencé avec la danse classique et j'ai poursuivi avec la danse folklorique. La danse folklorique. Tu pourrais danser un peu pour nous? Oui. Formidable. Mais j'ai besoin... De quoi? De ça? Oh là là, c'est aussi une pro de la danse. Fantastique, Olena, merci infiniment.